Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous venez de voir à l'instant la réalisation de cette boîte et maintenant je vais vous montrer à quoi va servir cette boîte.
Cette boîte, je l'ai réalisée avec du frêne qui m'a été donné par la scierie Vallée du Salat. Je vous mets tous les liens en description et en fin de vidéo, je vous mettrai quelques images de cette scierie. Il y en aura d'autres plus tard et je vous en reparlerai dans une autre vidéo. En attendant, j'ai réalisé cette boîte assez simplement avec des assemblages à mi-bois simplement collés. J'ai teinté l'intérieur avec une couleur noire pour trancher avec l'extérieur. Et puis j'ai décidé d'essayer une peinture métallisée sur du bois pour voir ce que ça pouvait donner quand j'ai envie de donner une pointe de couleur. Eh bien, je trouve que ça fonctionne. Certains n'aimeront peut-être pas. Personnellement, j'aime bien le rendu. Je vous ferai un gros plan sur la boîte après. Cette boîte, vous allez pouvoir la gagner avec ce qu'il y a à l'intérieur. Ce sera le premier concours sur la chaîne et pour participer, ce sera très simple, je vous dis ça en fin de vidéo. En attendant, on va regarder ce que contient cette boîte. À l'intérieur, vous allez retrouver en premier deux mugs. Un premier de la marque Lamello et un autre de la marque Metabo. Le premier de la marque Lamello a une particularité, c'est qu'il est fait, c'est un mug ardoise en fait. À l'intérieur, vous trouverez deux craies pour pouvoir écrire dessus et voilà, marquer les petits messages que vous souhaitez. Je trouve ça sympa. Ensuite, à l'intérieur, vous allez trouver un crayon Métabo, un maître Lamello et un maître Métabo. Un porte-clés Lamello aussi. Et bien sûr, un porte-clés de la chaîne. J'ai fait des porte-clés en bois, c'est moi qui les grave comme ça, un par un, qui sont annotés Memento Seb Création Bois. Et derrière, vous allez retrouver les logos de Virutex et de la scierie de la Vallée du Salat. Simplement parce que ce sont les deux personnes qui me soutiennent le plus. Donc j'ai plusieurs partenaires, hein, vous le savez, comme Lamello par exemple. Mais là, Virutex et la scierie de la Vallée du Salat sont les deux personnes qui me soutiennent le plus. C'est notamment grâce à la scierie de la Vallée du Salat que je vais pouvoir vous proposer plein de projets. Et il y en a pas mal en cours de préparation. Ensuite, bien sûr, avec le porte-clés, je vous mets un autocollant de la chaîne. J'y glisserai un petit mot derrière. Et pour finir, il reste deux produits qui sont estampillés Virutex. Et là, je tiens vraiment à les remercier, puisque vous allez trouver une clé USB de 16 Go et ceci. Ceci, c'est un produit que je trouve magnifique visuellement, qui a été fait avec un morceau de dowel de barrique, c'est-à-dire que c'est fait avec un fût de chêne. Et c'est un tire-bouchon professionnel que je trouve de toute beauté. Je vous mettrai les photos en fin de vidéo avant de vous présenter une petite vidéo de la scierie de la Vallée du Salat. Vous verrez ça, je la trouve superbe. Après, ça n'engage que moi, c'est moi qui ai fait les images. Mais je la trouve magnifique. Ce tire-bouchon a été fait dans un fût de chêne et on le voit encore puisque de l'autre côté, il est teinté par le vin. Et d'ailleurs, ils sont très beaux. Je vais maintenant remettre tout ça à l'intérieur. Bon, je protégerai tout ça correctement avec du plastique bulle à l'intérieur. Ou alors peut-être rempli de copeaux, ça pourrait être sympa. Peut-être pas pour celui qui va l'ouvrir, mais ça pourrait être sympa. Je vous mets tout ça à l'intérieur. Pour gagner ce lot, eh bien c'est simple, il faut bien sûr être abonné à la chaîne, commenter, liker, partager, et dans votre commentaire, il faut y retrouver la mention "Je participe". Et donc, je vous laisse jusqu'au dimanche 30 juin 2019 pour laisser votre commentaire et je procéderai au tirage au sort dès le 1er juillet. Donc le lundi 1er juillet, on saura qui va gagner cette boîte.
avec tous ces goodies. J'espère que ça vous plaît, c'est le premier concours sur la chaîne. Voilà. J'ai décidé de réaliser cette petite boîte parce que je trouvais sympa de pouvoir tout mettre à l'intérieur et de pouvoir vous envoyer ça. J'espère que vous apprécierez. Donc n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et n'oubliez pas la mention, je participe en commentaire. Si vous laissez un petit message en plus, vous pouvez, mais il faut obligatoirement qu'il contienne la mention « Je participe ». Je vous souhaite à toutes et tous un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !